Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout, j'ai envie de tuer quelqu'un. Oui, cette vidéo commence très très bien. En fait, je viens de tourner bah, toute ma vidéo en fait, où j'achetais mon cheval, enfin mon poney, tout allait bien, je vous faisais la présentation, etc. etc. Et là, je commence à monter et je me dis, bah, pourquoi il n'y a pas de son en fait? Bah, c'est tout simplement parce que mon micro était éteint. Voilà, donc je suis extrêmement énervée, j'ai vraiment le seum. Donc bah tant pis, hein, je vais vous faire cet achat en voix off. Alors il faut savoir que je ne savais pas, je ne m'étais pas spoilée pour les races, donc là je les découvre, enfin je les découvrais du moins en direct. Et mon avis, donc je vais vous donner mon avis en fait, bah, je vais faire une voix off sur une vidéo, c'est un concept assez particulier. Bah, du coup la vidéo devait durer une dizaine de minutes, bah clairement elle durera beaucoup moins d'une dizaine de minutes. Et là je donnais mon avis sur le premier qui est à Fort Pinta et je disais que c'était clairement pour le moment mon préféré. En même temps c'est normal, c'était le seul que j'avais vu. Et que c'était probablement celui-là que j'allais acheter parce que bah, je le trouvais vraiment trop chou, j'adore sa robe, je n'ai pas de robe comme ça dans mon écurie, voilà. Et je disais aussi également qu'il était très petit par rapport à mon Shin Kotig. Et maintenant nous allons nous rendre à Sudhoven pour voir les 5 autres chevaux. Poney, pas chevaux, qu'est-ce que je raconte? Ok, alors nous voilà arrivés pour voir les 5 autres poneys Gotland. Je sais même plus si j'avais dit leur nom en fait, mais si, c'est des poneys Gotland. Donc nous avons le premier qui est juste ici, que je disais que je trouvais assez mignon. J'aimais beaucoup les robes simples. Je préfère en fait les robes simples aux robes compliquées, si on peut dire ça comme ça, enfin genre tachetées, hyper élaborées et tout et tout. Et que j'aimais vraiment beaucoup celui-là. Je le trouvais super chou. Mais qu'il y avait un truc qui me dérangeait en fait, c'était ses sourcils. C'est bizarre en fait. On a l'impression qu'il s'est fait peindre le sourcil. Il a ces espèces de reflets violets un peu chelous sur le côté de la tête. Et c'est vraiment super dommage parce qu'il aurait vraiment pu figurer dans mon top, je sais pas combien. 3, on va dire. Allez, dans mon top 3. Sauf que bah, ce petit détail, il gâche un peu tout, clairement. Et je trouve ça vraiment hyper. Nous voilà arrivés au troisième. Troisième. C'est le troisième, c'est le troisième. Qui est noir cette fois. Et je trouvais ses yeux vraiment, et je les trouve toujours incroyables. Il est vraiment trop beau. Et d'ailleurs, je crois que cette vidéo est faite pour être maudite parce que je viens de me rendre compte que ce n'était pas le bon micro, encore une fois, qui enregistrait. C'était celui de mon casque et pas celui de bah, mon vrai micro. Voilà, cette vidéo est faite pour ne pas marcher, en fait, clairement. J'adore beaucoup les détails de celui-là. Franchement, il est très très chou. Il y a des petites châtaignes juste ici. Je remercie la personne qui m'a dit que ça s'appelait des châtaignes, parce que clairement, j'en avais aucune idée. Tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Voilà, merci à toi. Et franchement, il est vraiment adorable. Je pense, il y a de fortes chances que je craque pour celui-là un jour. Parce que clairement, bah, pareil, hein, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, on passe à l'Isabelle qui est juste à côté, que j'aime un tout petit peu moins, même si je le trouve vraiment très joli quand même. Hein. Il a des belles balzanes qui ne sont pas identiques, et il vole un peu aussi, clairement. Voilà, on adore les pugs de SSO. Voilà, il a des beaux yeux marrons, slash noisettes, je sais pas trop. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sur sa crinière est noire, et voyez, les bouts, ils sont un petit peu marrons. En fait, je viens juste de remarquer au moment de faire la voix off, je n'avais pas remarqué avant. Et les détails de ses poils sont magnifiques, autour de ses oreilles et tout, ça fait vraiment hyper réaliste, les ombres et tout de ce poney, franchement, hyper réussi. Et là, voyez, là, pareil, pour la queue, le bas est marron. Et là, je regardais parce que j'avais l'impression qu'il y avait un bug un peu, enfin, la démarcation était un peu chelou. Mais en vrai, ça va, ça se voit pas trop, c'est pas grave, c'est pas un big fail. Et maintenant, on passe au dernier. Non, pardon, pas le dernier, l'avant-dernier, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en suis passée à côté d'un. Alors, celui-là, j'aime un peu moins. Parce que c'est juste que je suis pas fan de la robe en fait, hein. C'est pas que je l'aime pas parce qu'il est moche ou je sais pas quoi, hein. C'est parce que je suis pas fan de la robe, mais objectivement, pareil, hein, il est très très bien réussi, même s'il ressemble un peu à une vache. Je suis désolée à tous ceux qui aiment ça, hein. Clairement vous avez totalement le droit, hein. C'est juste mes goûts et les couleurs, hein. Ça ne se discute pas. Et j'aimerais énormément qu'ils en fassent un comme ça, mais en tout blanc. Mais là, dans la mesure où toutes les robes sont sorties, je pense pas qu'ils en feront un comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et là, je viens de remarquer qu'il y en avait un dernier que j'avais pas vu. Et là, c'était le coup de cœur direct. Parce qu'il faut savoir qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais quand je dis bien comme deux gouttes d'eau, c'est que c'est le même. Même tête.
que le premier poney que j'ai monté de toute mon existence, qui s'appelait Malabar. Je l'ai monté quand je devais avoir... Alors la première fois, c'était quand je faisais un petit tour. Vous savez, les petits tours de poney, là, des fois ça arrive, il y a ça dans les parcs. Enfin, pas dans les parcs, mais dans les... Ouais, bah, des fois, quoi. Je m'embrouille. Et c'était le premier que j'avais monté. Et après, j'avais fait un stage de poney. Et c'était également le premier que j'avais monté. Alors, je sais pas du tout ce que ce poney est devenu. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, mais il était déjà vraiment vieux hein, quand je l'avais eu, donc je pense qu'il doit être probablement à la retraite, je sais pas, parce que quand même ça fait 10 ans, donc je sais pas du tout ce qu'il est devenu, mais quand j'ai vu ce poney là, c'était bah, le coup de cœur, parce que ça me rappelait trop de nostalgie, mon premier poney, voilà, et il s'appelait Malabar, je sais plus si je l'ai dit, et là même pas j'hésite en fait, j'ai oublié complètement celui de Fort Pinta, et je vais me précipiter pour acheter cette réplique de Malabar. D'ailleurs aussi, j'ai oublié de préciser que ce poney est adapté au froid, résistant au froid, ce qui est une très bonne chose, même si j'ai fini mes missions d'archéologie. Enfin, d'ailleurs, je précise. Incroyable, il me reste plus que la mission avec Farah à faire. Et voilà. Et il est au prix de 750 starcoins, ce qui est, c'est un peu cher pour un poney, mais vu qu'il est adapté au froid et qu'il est vraiment très beau et que c'est un nouveau modèle, au final, je trouve qu'il vaut quand même plutôt bien son prix. Ensuite, au niveau du prénom, j'ai décidé de l'appeler Little Candy. Il faut savoir que j'avais décidé le prénom avant la vidéo où je voulais l'appeler Little Boy, parce que petit garçon, vous savez, pour un poney, ça fait bien. Mais au final, je l'ai appelé Little Candy parce que, encore une fois, en référence à Malabar, ce magnifique poney, incroyable. J'aurais bien aimé vous mettre une photo, mais j'en ai pas trouvé. Et en fait, Malabar, vous savez, c'est des chewing-gums un peu. Je sais pas si vous en avez déjà mangé ou si je sais même pas si ça existe encore. Mais vous savez, c'est des chewing-gums qui sont au goût de plein de trucs. Il y a fraises, il y a menthe, je crois. Menthe, c'est horrible, je déteste la menthe, voilà. Si vous aimez pas la menthe non plus, dites-le moi, que je me sente pas seule. Mais voilà, et c'est un chewing-gum, et c'est pour ça que je l'ai appelé Little Candy, petit bonbon, ça ressemble un petit peu, vous voyez, petite référence. Donc voilà, et là c'est la rencontre entre moi et Little Candy, d'ailleurs je pense que je vais l'appeler Malabar, hein, franchement. Bon, je sais que j'oublierai tout le temps, mais je pense que je l'appellerai quand même Malabar, si j'y pense. Voilà, donc la rencontre entre moi et Malabar, un coup de foudre. Et là maintenant on passe directement... aux coiffures d'ailleurs, il y a une coiffure spéciale pour le Gotland que je trouve super marrante, mais bon, on verra ça après. Donc la première coupe, donc la coupe un peu courte, ça lui donne vraiment une tête de premier de la classe, je trouve, avec la petite frange là, enfin je sais pas comment expliquer. En général j'aime pas cette coupe hein. Je la mets à aucun de mes chevaux, je l'ai jamais mise parce que je trouve que ça leur fait une énorme encolure, je crois que c'est comme ça. Ensuite là on passe aux pions. Les pions, ils ressemblent énormément au poney, j'allais dire gaulois, non, au poney gallois. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'il avait une petite tache là entre les deux yeux, je sais que c'est un nom, et encore une fois je ne sais pas le nom, je suis désolée. Et j'avais pas remarqué, mais c'est marrant. Ensuite la coupe là, pareil, hein, ça lui donne encore une tête de premier de la classe, j'ai l'impression, c'est hyper drôle, franchement c'est le petit poney sage, vous savez, avec la petite laque, on dirait, il a mis de la laque, c'est trop bizarre, mais je trouve ça assez marrant. Ensuite la coupe des Morgans, ça lui va plutôt pas mal, enfin cette coupe là en vrai elle est un peu passe-partout, même si je trouve que ses crins originaux sont mille fois mieux, on va pas se le cacher. Voilà, je vous montre un petit peu toutes les vues. Et on va passer à la dernière coupe, la coupe, je la trouve incroyable cette coupe, ça fait des petites tresses avec des petits nœuds au bout, c'est trop chou. Alors là pour le coup je lui ai pas mise parce que ça lui va bien, mais je préfère quand même la coupe originale, mais c'est sûr que je la mettrais si j'en rachète un autre. Enfin en vrai si j'achète celui de Fort Pinta je suis pas sûre que ça lui irait, enfin on verra bien à ce moment là de toute façon. Mais là je trouve ça super drôle, ça lui donne un petit style et puis là la petite tresse au niveau de la queue et tout, je trouve ça adorable. Et bienvenue au paddock des dieux. Je sais pas s'il y en avait qui connaissaient son existence parce que moi clairement j'y vais jamais à cet endroit là. Mais je me suis dit ça serait bien parce que c'est un petit peu caché et tout ça pour faire une petite revue des allures, c'est parfait. Alors ses allures, enfin ses animations à l'arrêt sont plutôt sympathiques. Il bouge trop, enfin il bouge trop, non, il bouge un peu mais pas trop, enfin clairement ça va. Et il secoue sa petite tête, il broute et tout, il tire un peu la langue on dirait, c'est marrant et franchement j'adore.
Maintenant, on passe au reculé. Je suis désolée, il fait des petits cœurs, c'est parce que c'est un fail, je l'ai caressé. Et j'aime beaucoup l'animation du reculé. Par contre, vous verrez un petit peu après, j'ai zoomé, parce qu'on dirait que ses jambes, je sais plus si on dit jambes ou membres ou je sais pas quoi, c'est, attendez, avant et un peu arrière, on dirait que c'est un tout petit peu saccadé, mais pas trop, enfin je sais pas, c'est pas que c'est saccadé, c'est que, je sais pas, ça fait un truc un peu bizarre, mais après en zoomant, je l'ai pas vraiment revu, enfin c'est beaucoup moins flagrant que quand c'est vraiment espacé. Vous voyez, ses membres arrière, je sais pas, hein, c'est peut-être moi qui délire, mais après en rezoomant, j'avais pas vraiment remarqué, donc je pense que c'est juste... Non, je pense qu'il va bien en fait. Ensuite, son allure au pas, j'adore, très posée, la cavalière ne bouge pas beaucoup, lui par contre il bouge un petit peu sa petite tête et tout. Et ouais, il est très calme, et d'ailleurs aussi il y a un truc que j'ai remarqué, je vous jure, je trouve ça trop bizarre, c'est ses crins. Au niveau de sa tête, elles sont un peu des deux côtés, mais ça fait ça sur tous les chevaux, et je trouve que ça fait hyper bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Maintenant, on passe au trot. Alors, le trot, j'adore. Franchement, si vous aviez vu ma réaction dans la vidéo, c'était assez drôle, parce que vraiment, j'adore. Il relève un peu la tête et tout, enfin, je trouve ça trop trop chou. Il sautille un peu, enfin, je sais pas, on dirait il est tout content. J'adore, c'est hyper drôle. On dirait, enfin il s'élance peut-être un petit peu trop, non même pas en fait, je chipote. Ensuite le petit galop, pareil, j'aime beaucoup, ses crins bougent, son petit toupet bouge, mais c'est pas trop, c'est posé. Et c'est cette allure là qui m'a fait vachement penser au poney gallois, je trouve que ça serait intéressant de voir une comparaison, parce que ces deux chevaux se ressemblent un peu quand même. Hein. Ensuite le galop, pareil, hein, le galop, oula ça bug un peu, désolé ça m'arrive parfois, le galop bah... Il est bien, hein, clairement. Pareil, hein, le grand galop aussi, c'est la même chose, mais en plus rapide. Et il étend bien, enfin, il élance bien ses jambes et tout, et clairement, bah, il est très très bien, très très bien animé, j'adore. Ensuite, on va voir l'arrêt. Voilà, voilà, bah, l'arrêt, hein, pareil, un petit peu comme tous les autres. Et le cabré, que j'aime aussi beaucoup, hein. Il ressemble un peu à tous les autres, mais en même temps pas trop, parce que vous voyez, il y a sa jambe qui est juste ici, qui reste un peu pliée, contrairement à l'autre qui s'élance vraiment super haute. Et les pattes arrière, hein, elles sont très très bien, enfin ouais voilà. Franchement j'aime beaucoup, j'adore, je valide. Et voilà, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, c'est ainsi qu'elle s'achève en voix off, c'était un peu particulier, je suis vraiment désolée. Mais au final, à la réflexion, j'ai vraiment énormément aimé tourner cette vidéo en voix off. Clairement, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format, parce que je suis vraiment plus à l'aise en voix off, je trouve, qu'en filmage, enfin en tournage normal, je sais pas. C'est bizarre, mais clairement j'adore. Donc voilà, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à glisser camembert dans les commentaires. Bye.